Moi, il y a celle des mystères. Après, c'est dans la Bible. Il y a celle des mystères. Ce que tu ne comprends pas, après, je vais te comprendre. Je vais t'enseigner pourquoi le soleil s'élève. Par exemple, j'appelle les thèmes dans l'enseignement. Je vais vous expliquer le soleil, c'est quoi. Amen. Amen. Pourquoi on dit le jusqu'au coucher du soleil? Quelle est la portée du soleil? Vous êtes tous un mystique. Or, Dieu est mystérieux. Amen. Amen. Or, l'évangile est plus mystique parce que c'est ouvert, c'est pas de vérité. Donc, moi, il y a mon enseignement. Le pasteur a son enseignement. Et l'apôtre a son enseignement. Il ne faut pas venir attaquer mon enseignement. C'est ça, dire aux gens, quand vous ne connaissez pas quelque chose, taisez-vous et puis apprenez la chose. Ne dis pas, non, ce qu'il fait là est diabolique. Qu'est-ce qui est diabolique? Dévoiler un diable, ce n'est pas diabolique. Il faut qu'on vous montre les secrets. Or, les mystiques, eux, ils ont une loge, ils cachent les secrets. Nous dévoilons les choses. Amen. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il y a trop de connaissances spirituelles que les choses m'échappent. Amen. Amen. Je peux t'enseigner la lune. Pourquoi les Arabes ils mettent les lunes sur les fusils de la lune sur leur mosquée? Ça veut dire quoi, lune? Je te prends la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour t'enseigner ça. Amen. Amen. Et Dieu nous aide. Amen. 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 Je peux t'enseigner l'importance de l'eau. Ça vous fait bizarre. C'est mon enseignement. Qu'est-ce que l'eau représente? L'eau, c'est quoi? Comment on peut utiliser l'eau pour faire action prophétique? Je peux vous enseigner ça. Pourquoi on prend l'eau pour faire libation? Je peux vous enseigner ça. C'est pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Entre Satan et Dieu, qui copie son camarade? Satan copie Dieu. Un jour, j'étais à une émission télé. Matin, bonheur, j'ai une m'a reçu. J'étais en rouge chez vous là. Elle me dit, mais tu fais peur. C'est pas diabolique. Je lui ai demandé, j'ai dit, madame, qui a créé la couleur? Elle a bouche bée. Non, je demande à la femme, elle est là. J'ai dit, qui a créé? Elle est sa mère mystique. J'ai dit, mais qui a créé la couleur? On me dit, aime de Dieu. Pourquoi ma couleur vous fait bizarre? Pourquoi ça vous effraie? Et maintenant, j'ai commencé à rentrer dans les mystères. J'ai dit, mais est-ce que vous savez que la couleur rouge, ça veut dire vie? Et ce n'est pas ça. Or, c'est ça que c'est ça, les féticheux attachent. Or, le sang, c'est la vie. C'est pas ça? Amen. La Bible dit que nous avons vaincu Satan comme du sang de l'agneau. C'est quelle couleur? C'est noir ou c'est rouge? Ah. Pourquoi ma couleur rouge, ça t'effraie? Elle est chez bouche bée. Donc, j'ai dit, madame, si vous ne connaissez pas quelque chose, c'est quoi ça? Or, quand on voit le noir, vous allez dire que c'est ça. C'est pas ça? Le noir symbolise l'autorité. Les juges, là, c'est le noir, ils ne peuvent pas les juger. Ou bien, les morgues n'ont jamais porté le noir. Ils portent les... Il y a des choses, vous avez aimé savoir. Amen. Il y a des choses, vous avez aimé savoir. Pour critiquer, moi, j'ai dit autorité. C'est pour pouvoir. Vous savez, vous voyez, les magistrats sont en noir, en toge noire. C'est en noir. Il y a des choses, vous avez aimé me connaître. Moi, c'est mon travail. Amen. Amen. Je vais te montrer comment descendre un sorcier. Moi, il y a ce travail. Je connais. Quelqu'un qui dérange, comment le renverser? Je connais ça. C'est mon travail. Ah, non, c'est mon travail. Il y a un monsieur, sa femme. Il allait prendre deuxième femme. Il a laissé sa femme. Et puis, il dort chez l'autre. Vous savez que les deuxièmes femmes, elles ne s'amusent pas. Hein? Elle était jeune, le monsieur. Elle s'est fait ses pédicures. Les manicures. On est sur ici, frère, ma soeur, si tu as ton mari, il faut regarder ses orteils, c'est, il faut faire des pellicules. C'est important, amen. Quand vous le gérez mal, là-bas, vous pouvez le gérer. Si tu vois les hommes des Zadis qui ont poussé, il faut lui dire, oh, j'avais, ça fait comment ici? C'est durable. Vous savez pas cher. Mettez ça un peu dans l'eau, et puis faites approcher le monsieur, mettez ça à ses pieds, et puis vous prenez. C'est pas couteau, mais ouais, lui là, comme ses pieds sont trop durs là, prenez un couteau. Et puis arrivez, c'est gratté, et puis prenez l'âme coupée. Amen. Amen. Une femme doit prendre soin de son mari. C'est pas ça? C'est comme ça. L'homme aussi doit aimer sa femme. Amen. Amen. C'est comme ça. La femme, l'homme doit aimer sa femme. Et la femme doit prendre soin de son mari. S'il vient, il faut le regarder. Tu le regardes très bien. Si Chocoto il a porté là, ça fait une semaine qu'il porte ça, tu lui dis pardon, tu n'es pas un bella. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils ne changent pas Chocoto. C'est comme les féticheurs. Ça a fini par se déchirer. Amen. Ça fait les deux ampoules derrière. Derrière, on est un féticheur. On est un féticheur.
Alléluia. Amen. Oh, il y a des choses qu'on doit renouveler. Les dessous, là. Apprenez à saigner. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'amène à parler de ça. Enlevez tout. Dites à vos maris, monsieur, ce que vous avez porté, là, ça fait peut-être combien de jours vous ne portez pas, et puis, prenez soin de votre mari. C'est important. Oh, il y a des gens, c'est les spécialistes en tuyaux de cabri. Ici même, là. On est, c'est... Il fait froid ici. Amen. Il y a des gens qui tuent cabri. Et c'est le matin, le soir, ils ne sont pas dedans. Il faut monter de ça. Lui, il n'est pas fait de laver le soir, il dort. Donc, il y a tout ça. Prenez soin de vos maris. S'ils viennent, amen. Les petits repas, tranquille. Ne les faites pas, ne faites pas faire les procès la nuit. L'homme n'aime pas les bruits de nuit. Or, il y a les femmes, eux, c'est la nuit, là, elles veulent régler par là. Or, on dit la nuit porte conseil. Femme, la nuit fait par là. Amen. Il faut savoir prendre l'homme. Vous avez compris? D'autres, non, l'homme, on peut le prendre façon, il va continuer. Non. Dieu n'a pas créé que des voyous. C'est une manière de dire non, Dieu même, tout ce que les hommes qu'il a créés sont des voyous. C'est un mensonge de Satan. C'est une rue de Satan. Les petits films bizarres, vous regardez, brésiliens, là, vous enseignent des comportements bizarres de l'homme, vous faire croire que les hommes sont bizarres. Il y a des gens qui ne sont pas voyous. Amen. Si tu trouves ton homme, et c'est pour ça qu'un homme aussi doit prendre soin de sa femme. Amen. Ça, c'est important. Amen. Amen. Prenez soin de votre femme. Vous devez dire bonjour, je t'aime. Et je conseille ça à tous les hommes. C'est plus que milliards. Amen. 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 Si tu dis à ta femme que je t'aime, qu'elle attend dehors, je t'aime, ça va dire rien, lui dit. Oh, si elle n'a jamais attendu, maintenant je vous aime. Je suis marié. Hein. Vous avez dit quoi? Je vous aime. Je t'aime. Moi, elle attend s'approcher. Amen. Oh, vous savez que je t'aime, elle s'en voûte. Amen. Amen. Si vous levez le matin du lit, vous finissez. Mais c'est une grâce. Tu es toi une femme qui ne te tue pas. Pendant que tu dors, tu te réveilles, tu lui dis merci. Ça fait quoi de dire maman? Je t'aime. Il y a des gens qui n'aiment pas dire ça. C'est des sorciers. Maman, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu cherches? Où je t'aime, c'est à qui tu dis ça? Vous comprenez? Donc, quand tu as ta femme, tu dois prendre soin de ta femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très bien. Il faut prendre soin de ta femme. Et la femme aussi, gérer bien vos maris. Vous avez compris? Amen. Non, depuis là, je n'ai pas de mari. Hein? Les gens viennent, ils s'en vont. Ok. Vous savez que quand tu n'es pas délivré, il sera difficile de rentrer dans ton mariage. La première des choses, il faut être délivré de ça. Aller mal. Les autres même, c'est les poudrières. Il y a 1024 dedans. Il y a lance-roquette dedans. Il y a pistolet dedans. Il y a calage dedans. La femme, c'est toi qui met touche le foyer. Quand on parle de foyer, c'est là où il y a le feu. Or, il y a une dame qui a eu un problème. Elle est son mari. Le mari a fui. En Côte d'Ivoire là-bas, il y a les grands, les boss, vous voyez là. Souvent, vous les voyez dans les quartiers, puis ça, vous êtes étonné. Avec une petite fille. Tonton, tu fous quoi, il est pas petit. Tu le vois, il est dans un quartier à Monsucro. Quelqu'un ne rivera. Il a Monsucro. Mais ça dépend de ce que la petite a fait. Si toi, tu viens l'emmerder, il va fuir, il n'y a pas maintenant. Mon bébé, tu t'es marié quoi. Les petits noms comme ça. La femme a laissé, elle a laissé son mari, elle allait prendre une autre femme, deuxième. Il ne vient qu'à la maison laisser de l'argent. La femme allait faire jeûne et prier, elle a jeûné, elle maigrit. Elle priait jeûne. J'étais à un séminaire, elle est venue me voir. Elle dit, je ne sais plus ce qui jeûne là. S'il y avait encore, il allait faire. J'ai fait tous les jeûnes. Mon mari ne vient pas. Elle dit, mais ton mari a fait quoi? Elle m'a laissé. Et puis elle est partie prendre une autre. Il a dit, c'est pas, il y a des trucs, c'est pas que je gêne. Ton mari t'a marié, lui, il m'a légué à marier, mais ça suffit, c'est suffisant pour que moi je règle le problème. Elle est venue, donne-moi le nom de la dame. Elle m'a donné le nom de la dame, j'ai le nom de son mari. Je les ai séparés. Nana, tu as tout Amen. Amen. Moi, là, j'ai été choqué, il y a des choses qui te disent, ça a été choqué. Amen. Amen. C'est pas son mari.